Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je lui ai mis un pas, je voulais dire salam la famille en même temps, vas-y on le refait. 1, 2, 3, salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va manger. Mais j'étais avec qui? Je suis avec Myriam. La big boss des boss des boss des boss. Aujourd'hui on va manger rouge vs blanc. Donc les gars, on va passer une journée vraiment formidable. Seulement des aliments rouges et blancs. J'espère que je vais manger que des tomates. Formidable. Tu vas manger du doliprane. Regardez ce que ma soeur m'a ramené. Enfin pas Myriam. C'est pas Myriam qui m'a ramené ça, c'est mon autre soeur. C'est des lucumes. Elle m'a ramené, c'est pas... il y en a, ils disent c'est pas des lucumes. Les gars, les turcs, ils sont où les turcs? Dites-moi, ça s'appelle comment? On a des gâteaux pour le petit-déj de toutes les couleurs. On a du rose. Oh, c'est du rouge. C'est du... Non, c'est du rose, regardez bien, Yassine, c'est du rose. On a du noir, Ah, c'est du multicolore. On a du blanc et on a du chocolat. Les... Je peux taper tout ce qui est blanc et Myriam, tout ce qui est rouge. Je vais commencer par ça. Oh là là, en fait, c'est quoi? C'est des Kellogg's. Ils ont mis des Kellogg's rouges. Hey, je sais c'est quoi, c'est les Chocapic. Ouah, tu penses une sorte de pâte? C'est des lucumes. Regardez la pâte. Mais pourquoi t'ouvres? Allez, on va goûter. 1, 2, 3, bismillah. Waouh. Ils font quoi les turcs quand c'est bon? Ils font le lucumes. Eh, c'est trop trop bon les gars. Ça je pense. Est-ce que ça se mange dans les familles, tu penses? Non, ça c'est les enfants, ils les mangent en une seconde, y a plus rien. Oh les gars, la pâte là. Mais wesh. Et ça, c'est de la pâte de cookie. T'as vu Cookie Doug? Non. C'est une dinguerie, les amis. Non, on a pas ça en France, on dirait du nougat un peu au-dessus, tu vois, de ça, ça. Mais elle, elle a trop de la chance parce que regardez, elle a des pépites ici par-dessus. Ouais, je sais pas si des pépites à quoi. C'est masterclass. Va se casser les dents! C'est du nougat! Mais ouais, les gars, faut avoir des dents. Mais regardez-moi mes dents. Eh, je vous promets, c'est une régalade de mien. On ne peut pas croquer. Wesh, Myriam, t'es nul ou quoi? C'est bon, elle a réussi à avoir un peu de boue, les amis. Pendant qu'elle croque, je sais que c'est pas notre couleur. Hein. Dites-vous que c'est la. Si, regarde, y'a du blanc là. Là, y'a du blanc là. Tu vois là? Oui, y'a du blanc. Y'a du blanc. J'allais dire, c'est comme ma soeur, elle m'a ramené un objet du faire honneur. Après, elle va me dire, t'as goûté les gâteaux en vidéo? Eh oui, j'ai goûté en vidéo. Alors, Myriam, t'en penses quoi? En vrai, il est grave bon, mais il est grave dur. Il est grave. Et tu mets combien sur 10 toi plutôt? 9,5. Ok, pour finir ce petit déjeuner en couleur, les amis, on a le loukoum fou chocolat. Ça, c'est mon plaisir. Non, hein. Non. Toi, c'est rouge. C'est elle, c'est blanc. Y a que elle qui a le droit de goûter. Oui, mais je dis, non. Les gâteaux chocolat, c'est mon plaisir. Donc, oui, mais non. Pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Et moi, non, moi, s'il te plaît, je m'en fous, il y en a plein. Je suis trop bête. Bismillah. Wesh. Waouh, ça me donne envie de faire des butterflips avec la grande bouteille, même si c'est impossible. Les Turcs, merci beaucoup de faire des gâteaux comme ça. Je crois que je vais déménager en Turquie pour manger ça tous les jours. Regardez, dedans, il y a du rouge, on dirait un peu de la framboise. En plus, c'est un goût de framboise. Je dois vous dire un truc, les Turcs, désolé, c'est pas contre vous. Hein. Les loukoum, tu vois, c'est pas trop mon fort, mais encore moins ceux-là. Parce qu'en fait, dedans, tu vois, il y a la fraise. Et la fraise et le chocolat, ça se marie pas bien ensemble. Ils auraient dû faire un autre goût. La vanille et chocolat, tu vois, ça serait bien matché ensemble. C'est pas normal ça. Quoi? En plus, regardez, elle s'est tachée son t-shirt ici. Regardez, pistache. Je vais là pour le petit déjeuner, c'est validé. Continue la journée. Hein? Regardez, les gars, tu vas pour 50 euros. Pour ouais. 50 balles. Tu jures là, tu me donnes 50 euros. Oh là, je te donne 50 euros. Si tu vas, tu restes 10 secondes. Okay. Ouais, pour 50 euros. Vas-y, va au milieu, les gars. Bonne pluie battante. 10. Tape en foot. 9, okay. 8, 7, 6, 5. Et je vais l'enfermer. 4, 3. Vas-y, mets un but dans les grands buts et t'as fini, t'as 50 euros. Attention, Myriam qui se retourne. La frappe et le but. 50 euros. Allez, salam alaikum. Allez, t'as dehors. Non, tu restes là. Et alors, ok, tu me redonnes mes 50 euros? Tu me les redonnes? Ah. Tu me redonnes mes 50 euros? Non. Alors, ça fait quoi? T'as pris une douche gratuite? Donne-moi les 50 euros. Quoi? Non, tout de suite. Alors là, si je tombe malade, Younes, tu vas voir mon dos, il est gelé. Il y a 5, pour 100 euros, est-ce que tu retournes 10 secondes? Ouais. Non, je rigole, c'est bon, tiens, on a rien dit. 100 euros, moi je fais tout ce que tu veux, mon frère. Si tu veux, je me tape la tête contre le. Non, c'est bon, déjà n'importe quoi, dis pas ça aux abonnés, frère. Ceux qui veulent une touche gratuite, sans avoir besoin de payer Crestal et dehors, hein, c'est la même chose. C'est le repas du midi, Younes, explique-leur. Les gars, on a trouvé une idée exclusive et incroyable. On doit trouver, écoutez bien, un fast-food, un restaurant ou n'importe quoi avec la façade du restaurant rouge ou blanche. Une fois que c'est rouge ou blanc, on peut manger tout ce qu'on veut à l'intérieur. Myriam, occupe-toi du sucré, je m'occupe du salé, s'il te plaît. Vas-y. Et pour une fois, il me laisse m'occuper du sucré, ça va être incroyable. Pour le sucré, j'ai décidé d'aller chez Maison Zebran. Vous voyez très bien qu'il y a bien, il y a beaucoup de blanc. C'est la meilleure boulangerie de France. Et on va se régaler. Carrément, elle court, les gars. Tout est bon. Tout est une bonne occasion pour aller à Maison Zebran. Et sachant, là, la règle, c'est quoi? C'est que tu peux prendre vraiment tout ce que tu veux. Ok, je crois que je prends toute la boulangerie. Vu que c'est bien blanc, en plus, il y a du monde. Carré. C'est-à-dire, je pourrais faire ma sélection. Ok, ça va être incroyable. Bon, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Il y a des gâteaux à la fraise. Et les gars, je vous ai dit, mais les gars, ça existe pas chez vous. Regardez le gâteau tout au fond, à la pistache. C'est pas des lol.
ici c'est pas des lol, vraiment. Ici tu peux, je crois ici tu peux vivre éternellement avec les gâteaux. Il y a des trompe-l'œil, moi j'en ai trop, j'ai une ma dose des trompe-l'œil, mais pour ma mère on va lui en prendre un quand même. Ça. Regardez les trompe-l'œil, dites-moi lequel vous fait envie en commentaire. Moi ce qui me fait le plus envie c'est celui-là là, pistache. Moi celui qui me fait le plus envie en vrai c'est la noisette. La noisette, ouais. On avait déjà testé. Après ici les gars on a les French roll, c'est une dinguerie carrément, ça fait rêver, ça fait des éclairs bizarres. Là c'est les cookies des Amériques. Regardez les cookies des Amériques, comment ça tu sais que c'est américain, c'est français, ouais, je te raconte. Non mais les Américains ils trempent ça dans, avec du lait et grave des glaçons, ils font ça. Est-ce qu'il y a un gâteau blanc quand même pour... Ah oui, regardez là. Là, c'est bien blanc. Donc, vas-y, fais ta sélection. Ouais. Franchement, tout repose sur toi, Myriam. Les amis, la cargaison est là. On en a eu pour 58 balles. Je sais pas si vous augmentez. Pourquoi il y a deux boîtes, ils nous ont mis des trucs en plus. Je sais pas s'ils nous ont mis des trucs en plus. Pour le salé, moi, je vais aller dans un fast-food de pizza. Vous avez vu, il y a un tout petit peu de rouge. On va se commander des pizzas. Ça va faire sucré salé. Ça va être une dingue. Les gâteaux sont bien en sécurité. Hey, Myriam, tu vas passer l'aspirateur. Hein. Regardez, elle a voulu manger dans la voiture. Tu crois ma voiture, c'est une table à manger. Tu vas passer l'aspirateur. Oui, il y a des miettes. Vas-y, dis-moi, il y a Théma. C'est une dingue. Ce que t'as fait. C'est ça, c'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi. T'as mangé des sushis, t'as mangé des sushis. Oui, mais j'ai mangé assez de place. Tu vas te nettoyer. Mais c'est pas moi, j'ai fait ça. Vas-y, ça va te tortiller comme ça, tu vas passer l'aspirateur. C'est carrément pas moi. Ouais, ça doit être ça, c'est qui alors? Je sais pas. Yacine, il mange que du quinoa. Des miettes blanches comme ça, moi je mange pas, j'aime pas. Yacine, il mange que du quinoa. Tu vas ramasser une miette. C'est pas de la bouffe, c'est pas de la bouffe. Regarde, c'est des cailloux. C'est toi, t'as joué aux cailloux dans ma voiture. Quoi ? Myriam, on a fait le combo parfait. Les amis, première pizza. Elle s'appelle comment celle-là ? Elle s'appelle la Lanzopa. Je sais plus c'est quoi le prénom, les gars, les rêves. Mais en tout cas, c'est une pizza qu'on n'a jamais testée. Il y a la Solami. La Solami. Il y a de la sauce algérienne. Et ensuite, une pizza jamais testée aussi sur YouTube. Elle est déjà entamée ! Mais non, elle est pas entamée, Myriam. Ça s'appelle une pizza calzone. En fait, je vous explique, c'est comme un tacos, mais en pizza. Elle est refermée. On commence par la calzone. Moi, je commence par celle-là. Ok, c'est vrai, elle a raison, les amis. Vas-y, prends-toi une petite part. Je me prends une petite part, il y a du rouge, il y a du blanc, donc en vrai on peut manger nous deux. 1, 2, 3, bismillah. Oh, ça te fait penser à quoi? Une pizza d'Algérie. Une pizza d'Algérie? Non, on dirait qu'il y a un kebab dans une pizza, genre les oignons, la sauce, on dirait pas un kebab. C'est ça en fait qui fait la gifle. Les gars, wallah, c'est surprenant. Ah, mais c'est du kebab, je crois. T'as vu, remercie-moi. À chaque fois, les gars, quand vous êtes dans un fast-food, tu sais, vous prenez toujours la même chose. Et des fois, il faut tenter des trucs risqués. Là, on a tenté ça, je vous promets, il y a une sauce. La sauce algérienne, c'est mon bébé. Regarde, en fait, la sauce algérienne, elle donne du goût en fait à la pizza. Elle est trop intrigante, les gars, on dirait un croissant géant, ouais. ou alors la lune. T'as vu la lune? On dirait un croissant. Ouais, on dirait un croissant. Bon, vas-y, on va y aller, on va essayer de la découper pour voir. Vous emmenez avec nous que ça vaut le coup de prendre une calzone. À l'intérieur, on a mis de la dinde. C'est un couteau là-bas. Waouh, ouais, mais c'est un couteau. On goûte chacun un croc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pain et pas beaucoup d'ingrédients. Hein. On va voir. Mmh. Plus de pain. C'est du pain, mais attends, peut-être on est bête. On est bête. Non, c'est pourquoi c'est du pain, les gars, parce qu'on a pris là. Faut prendre au milieu. Bah ouais, c'est pas bête ça. Là, on utilise le couteau, ma soeur. D'accord, on est des sauvages, mais pas des grizzlies. On va au milieu, comme ça. Mais on dirait que c'est pas cuit, regardez, c'est encore liquide. Ou c'est fait exprès ou pas? C'est fait exprès, comme des sortants œufs. Ok, là, on a bien coupé au milieu. Ah, moi, je sais pas ramasser trop. Waouh. Ah, là, c'est bien juteux. C'est un trop. Faut aimer la tomate, par contre. Regardez, c'est bien tomaté. Ça a du goût, hein. Franchement, les gars, on peut pas dire que ça a pas du goût. On sent bien la tomate, la dinde, le fromage. Je kiffe. Ça change de d'habitude. T'as vu les kebabs, les tacos, on connaît. Prendre des nouveautés, c'est vraiment super cool. C'est pour ça que je kiffe les 24 heures rouges, VS blanc, les trucs comme ça. Pour la partie dessert, on en a eu pour 58 euros, comme je l'ai dit, ça fait plaisir. Donc, les gars, regardez, il a souffert dans la voiture. C'est un géant gâteau à la pistache. Ça me faisait trop envie. Et c'est un truc qu'on prend pratiquement jamais. Ici, on a un assortiment de gâteaux incroyables. On a le New York Roll, je crois. Un cookie fondant. Un Kinder géant. Une trompe-l'œil à la cacahuète. Tiens, pour vous deux, pour un vous petit deux, gâteau pour blanc. Vous deux, vu que je sais que vous êtes deux. Ah, tu me mets, t'as pensé à mon démon. On a pris petit gâteau blanc quand même. Ouais. Là, ce que je te propose, c'est qu'on tape directement dans le gâteau à la pistache. Vas-y, moi j'ai envie de t'en manger. On va y aller. Pistache, c'est pas un goût qu'on retrouve beaucoup. Attends, moi je vais prendre ça. Je vais prendre une petite cuillère pour pas trop abuser quand même. Hein ? Tu pleures ? C'est fort, hein. C'est fort en pistache, mais il n'y a pas de croquant dans le gâteau. Genre, c'est que du mou. C'est que du mou. Mmh. Moi j'aime bien dans les gâteaux. Goûte, ça, c'est incroyable. Ah, ça, j'aime bien dans les gâteaux quand c'est un peu dur, t'as vu ? Non, franchement, le goût de la pistache, on reconnaît que c'est une maison. T'as vu, c'est pas une boulangerie, c'est une maison. C'est super bon, mais c'est tout est mou. Genre en mode, moi j'aurais préféré qu'il y ait un biscuit. En plus, c'est full pistache, donc mais en vrai, c'est validé. Tu mets combien, toi, sur 10? Moi, je mets 8, c'est super bon. 8? Moi, je mettrais 7 parce que pour le biscuit, t'as vu, il faut du biscuit. Okay. Là, on va rentrer dans le biscuit, t'as vu, je vous ai dit. On commence par le cookie, bro. Ça se mange pas avec une cuillère, c'est mahalé. T'as vu comment il est balèze? Regardez l'épaisseur du cookie. Wow, c'est vraiment En fait, il y a plusieurs couches, quoi. Il y a plusieurs étages. Vas-y, je vais te taper ton croc. En vrai, on fait chacun le sien. Regardez, c'est bien cacahuété. C'est pas un gros croc. C'est bien cacahuété. Ça, c'est pas, c'est du caramel ou... C'est du caramel. Alors, dis-moi ce que t'en penses, ma sœur. Franchement, le cookie est super bon, mais ça serait encore mieux dans du lait. Dans du lait, ça passe mieux. C'est quoi qui fait la diff entre un cookie classique et ça? Pourquoi on paierait 6 euros au lieu d'un paquet à 1,50€? Déjà, il y a plusieurs couches, ça le rend cookie moelleux et le caramel, les cacahuètes. En gros, un peu tout. Ok, vu qu'elle a goûté ça, je me venge. Je vais goûter ça, les amis. Ouais, mais on va le goûter ensemble, ma sœur. Et j'ai envie de l'ouvrir. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Quel trésor nous avons à l'intérieur? Rien. Je l'ai ouvert comme un fou. Je sais pas si vous voyez, il y a de la crème. On voit la crème ou pas? On va y aller dans la crème, dans le chocolat. Bismillah, alléluia.
Allez, laisse-moi croquer. Waouh. Ça, c'est pas des blagues. Regardez l'état de nos têtes, on prend un plaisir fou. La crème blanche, elle fait vraiment la différence. Calme-toi, s'il te plaît, reste ton poli et courtois. Tu vas pas prendre tout le gâteau, parce que sinon je vais m'énerver, tu me connais. Non, c'est à moi, c'est mon gâteau. Non, Myriam. Moi, je te laisse ton gâteau, tu me laisses mon gâteau. T'as croqué dans le cookie. Myriam. Lâche mon gâteau. Vous avez vu? Si on se bat comme ça, c'est vraiment que c'est une dinguerie. Mais casse-moi! Ça chimpanzé, doucement! Vas-y, t'es mal élevé, toi! C'est trop! Bah, j'ai le droit de goûter dans le Kinder. Nous avons ici un Kinder. Je veux pas que le 24h il part en cacahuète. On est dans une bonne ambiance. Regardez, ça a vraiment la gueule d'un Kinder. Désolé pour le mot. Non, ça ressemble pas à un Kinder. Ah, c'est dur un peu, j'aime bien. Est-ce qu'on aura le biscuit du Kinder? Regardez. 1, 2, 3, let's go. Wow! C'est fort en chocolat, hein! Un Kinder, dans mes souvenirs, c'est pas aussi fort en chocolat. Ça, c'est bien. Un mec qui kiffe le chocolat, qui prend ça, il va être content. Des fois, on achète du chocolat, tu sens même pas le chocolat. T'as vu comment c'est bien chocolaté? Regardez l'état de nos mains et de nos doigts. On prend un plaisir incroyable dans ce 24 heures. J'espère que vous kiffez aussi. Là, on a le fraisier. C'est le seul gâteau que je déteste. Moi, le fraisier, je trouve que ça sert à rien. Autant manger des fruits ou quelque chose. Ouais, la crème, elle est pas molle. Toi, c'est toi qui as pris le fraisier, pourquoi t'as fait ça? Il y a du blanc, il faut respecter quand même un minimum le défi. Le 24 heures. Ouais. Doucement, t'es gros doigts, tu respectes pas les gâteaux. On dirait que c'est de la pâte à modeler. Respecte. J'arrive pas à l'ouvrir. J'aimerais faire un message pour la France. On a beaucoup de chance d'avoir de la pâtisserie française. J'étais dans de nombreux pays. Je peux vous assurer qu'il y a peu de pays qui ont réussi à reproduire des gâteaux de cette qualité. Désolé, on est vraiment mimi cracra, c'est une dinguerie. Frère, t'en as partout. Oh là, fais leur montrer un petit peu, fais leur montrer. Tu penses qu'à toi, y a que toi qui manges, tu leur fais même pas découvrir. Est-ce qu'il est bien réussi? Il est incroyable. Ouais, je goûte pas, je suis pas trop dans ça. Il nous reste ici la cacahuète. Donc, la cacahuète, je vais être très honnête avec vous, je l'ai pris pour ma mère. Ma mère, à chaque fois, elle me dit j'aimerais bien aller. J'ai dit maman, écoute-moi bien, je vais te ramener un gâteau, je vais montrer aux abonnés, mais je touche pas. Donc vous inquiétez pas, je touche pas. En tout cas, s'il faudrait prendre une seule pâtisserie, parce que 58€ c'est très cher, je vous recommande celle-ci. Quand vous allez, vous prenez celle-là, les gars. Nous, on va continuer de manger. On se retrouve un peu plus tard dans 24 heures. Tu touches pas mon gâteau. Pour le dernier repas, les choses sérieuses commencent. Je me suis mis en rouge, elle s'est mis en blanc. Je t'explique, on fait quoi? On va dans la cuisine, on prend tous les ingrédients qu'il y a et on fait une recette. Avec recette spéciale rouge, recette spéciale blanche. Ah mais en vrai elle a trop bien réfléchi parce que quand tu le cuis, le tacos il est blanc. Par contre elle a fait un tacos de la Hesse avec tout ce qu'il y a à la maison. Donc présente nous ce que t'as pris. Pas de triche bien évidemment. Alors déjà il y a des frites, du cordon bleu et de la mayonnaise. Et de l'emmental. Vas-y. Sarsa et la mayonnaise. Sauce mayonnaise, c'est la meilleure sauce la mayonnaise. Ouais. Ok, mayonnaise, ok, des frites. Il faut pas mettre trop de frites. Toi t'es team frites dans les tacos. Oui, et les tacos qui mettent plus de frites que de viande, arrêtez. Cordon bleu, ta viande préférée. J'ai appris comment refermer un tacos. Vas-y montre-nous. Ok. Ok. Oh, t'as fait un trou. Regardez, elle a fait un big trou en dessous. Comme vous le savez, moi, à chaque vidéo, j'ai envie de gagner. Dans tout ce que je fais, j'aime bien gagner. Là, il y a des hamburgers que ma mère a fait, mais malheureusement, je pourrais pas les manger. Là, on a des lentilles. Personne ne va les manger. Mais les amis, on a des pâtes et de la sauce rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets tous les pâtes à l'intérieur. On va essayer de mélanger, mettre du bon gruyère et faire un vrai plat italien, les amis. On va éteindre Myriam. Avant de passer à la dégustation, je vais lancer un défi à Younes et Myriam. Ils vont devoir me citer chacun leur tour un aliment blanc vs rouge. Celui qui en a plus, le dernier, malheureusement, il perdra. Il aura un gage. Et croyez-moi, faut vraiment pas perdre parce que le gage, il va être hard. Tomate. Chocolat blanc. Fraise. Boule de coco. Sauce tomate. Raffaello. Pizza margherita. Pizza crème fraîche. Pâtisserie à la fraise. Crème chantilly. Ketchup. Mayonnaise. Piment rouge. Moutarde. Non, j'en ai plus. Je crois que j'en ai plus. Poivron rouge. Je réfléchis. Oh, glace à la vanille. Glace à la vanille. Oh non. Mangue. Non, c'est orange. Il a perdu. J'ai gagné. Non, t'auras un gage. C'est moi, je vais le choisir. Punaise, j'ai une épée. Tu bouges pas, je dois te fouetter. Par contre, mets-toi au milieu du terrain. Ah, c'est une blague. T'es en train de régler tes comptes. Là, on est en train de faire un 24 heures. Tu règles tes comptes avec moi. Va. 30 secondes. Non, 30 secondes, c'est bas de long. T'as 10 secondes, frère. Ça commence. Vas-y. Ah, 9, 10, c'est bon, on va manger, c'est bon. La. Les glaces à la fraise, pourquoi vous me l'avez pas dit, les glaces à la fraise? Les gars, j'ai pris un tacos cordon bleu frites, avec bien évidemment en accompagnement toujours des frites et de la mayonnaise qui allait tomber, avec des trucs de la Hesse, ça c'est un yaourt pêche, c'est 0%, et ça c'est des gâteaux à la figue, j'ai jamais vu ça de ma vie. Choqué, elle a réussi à faire un vrai repas avec les fonds de la maison. Je suis en train de me dire un truc, c'est le retour de l'hiver, la goat des saisons les gars. On va bientôt plus mettre de mayo, mais on va mettre des pulls, ça va être incroyable. On va taper des tacos tous les jours. Et les bas de gros ton tacos, t'as fait un tacos XXL frère. Il fait la taille de ton bras. Qu'est-ce que t'aurais pu faire parce que les frites elles sont vraiment vraiment pas blanches hein. Je suis désolé les gars, mais tu sais pour manger une frite t'es obligé de mettre de la mayo dessus. Sinon c'est impossible les gars, moi je valide pas le défi sinon. Le tacos fait maison est incroyable. Je le traduis, le tacos fait maison est incroyable. C'est logique, c'est toi qui viens de le faire, tu vas pas dire c'est pas bon. Moi les gars je suis dans un pétrin, y a rien chez moi de rouge. Est-ce que chez vous vous avez des trucs rouges? Moi j'ai rien, à part les pâtes je suis dans un pétrin. Là je suis en train de réfléchir, j'ai pas le droit de commander Uber Eats, rien. Non. On va faire le combo de la frite à la mayo.
mayonnaise. En tout cas, toi, t'as de la chance parce que ton défi il est validé à 100%. Je vais aller ramener mon repas. Juste rigolez pas sur moi pour une fois. Même comme ça, je vais gagner, tu vas voir. T'es sûr ? Voilà mon repas, les amis. Je me suis fait des pâtes grâce à la sauce de ma mère, c'est incroyable. On a trouvé une petite nectarine. Pourquoi tu commences à rigoler ? C'est un repas de présent ou quoi là ? Mais j'ai fait ce qu'il y avait à la maison, Mireb. J'ai pas triché, c'est une couleur rouge. T'as eu la blanche, arrête de faire genre. Ensuite, ici, on a de l'harissa et bien évidemment une petite boisson. Pomme fraise, t'as même pas de boisson. Ah, derrière, comment c'est sec, elle arrive même pas à avaler. Regardez, c'est bloqué ici. Tu vas boire quoi maintenant ? Pas d'eau. Tu vas boire de la mayonnaise. Ça, c'est une boisson, la mayonnaise. Écoutez votre pote, bah moi je vais bien boire. Fraise, pomme, banane, bien équilibré. Bismillah. C'est dégoûtant. Tiens, je vais même boire. Oh, vas-y. Je vais moi boire. Goûte, tu vas péter un câble le goût. On dirait que c'est fait pour donner mais du malheur. C'est bon. Ça, c'est bon. Mais c'est la fraise, la pomme et la banane. C'est fait pour donner du malheur aux gens, on dirait. On va goûter, les amis, les petites pâtes. Les Tunisiens, vous vous dites, mais mets de l'harissa. Allez, moi, mets de l'harissa, foutu pour foutu. Mets de l'harissa. Je vais vous dire vraiment ce que je pense de cette sauce sans troll. J'en ai mis un tout petit peu. Ce que les Tunisiens, vous aimez trop dire, c'est la base. Harissa, bismillah. C'est dégueulasse. Comment vous pouvez aimer ça? Pour mon excuse, je suis pas du tout piquant. Je suis pas team piquant du tout. Je sais pas comment vous faites pour mettre ça dans chaque plat, les Tunisiens. Je vous aime. La Tunisie, c'est très beau. J'ai été à Djerba, j'ai kiffé. Mais ça, je peux pas. Larissa, ils le mettent partout. Ils mettent partout. Même dans les gâteaux. Même dans les Kellogg's et les gâteaux. Oh, les malades mentales. Les amis, qui a gagné entre Myriam et Younes dans bon. L'espace commentaire, mais sur toute la journée, pas que sur ce repas-là. Bombardez la barre des likes et dites-nous, on fait quoi comme couleur pour la prochaine fois? Ça serait bien un petit violet. Oh, violet, c'est impossible à trouver un truc violet. Violet contre multicolore. Violet contre multicolore. On va voir ce qu'on fait, les amis. Non, violet contre rose. Ciao.